Ja, Fresh Morning. FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On a Lynn dans le studio des 104.5. Lynn, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Super bien. Il y a la forme? Ouais, super bien. Alors, toi, t'as lancé une marque de vêtements. Oui, oui. Ça s'appelle comment la marque Palpite, de vêtements? Comment? Palpite. Palpite. Nous, on connaît Palpite. Genre, comme tu as les palpitations, quoi. Ouais, ouais. Genre, ouais, Manu, tu palpites. Ouais, un tour, quoi. Mais Palpite existe depuis? Oui, ça existe depuis, quand même, faut le dire. Ah bon, hein, combien d'années déjà? Oh, ouais, ça fait déjà 10 ans, quand même. Waouh! Ouais. Ta ligne de vêtements, ça a 10 ans. Oui. Oui. Et ça se passe comment plus? Ouais, ça se passe que, bon, un temps ça peut, j'avais arrêté avec, parce que quand là, ça boostait un peu, quand je faisais, je prends mon trolley, je quitte de mon atelier, je pars dans toutes les chaînes de télévision, les chaînes de radio, je partage. Et là, ça allait un peu plus vite, quoi, en mode, mais non, après, je me suis dit, ah, je perds. Ouais. Ouais, je perds quand même. Donc, c'est juste, non, dans les coins de vente. Ah ouais, maintenant, voilà, tu vends. Voilà. C'est quoi le concept de ta marque? En fait, le concept. Quelle est l'idée qui porte ta marque? Voilà, en fait, déjà la marque, elle valorise la culture africaine, ouais, tout en jouant avec celle de l'Occident. Ouais, mais tout le monde valorise la culture africaine. Voilà, quelle est la spécificité? Voilà, donc la spécialité, je peux prendre un truc pour donner un truc. Le bruit que vous entendez, chers auditeurs, c'est le t-shirt qu'il est en train de sortir, hein, de l'emballage. Jonas Chachet. Voilà, comme on voit là, jamais sans la culture. D'accord. Donc, c'est un bon t-shirt pour Mosley, ça. Jamais sans la culture, on a la tête à l'intérieur, une tête africaine, on a la palme à l'intérieur, on a l'auréole. D'accord. Donc la tête, c'est la tête du peuple africain. D'accord. Donc la palme, c'est la victoire du peuple africain. Il y a quoi dans la tête du peuple africain? Dans la victoire du peuple. La victoire, donc aujourd'hui, l'Africain peut s'exprimer en tout et pour tout. Mm-hmm. Aujourd'hui, à une époque, l'Africain était complètement serré. Mm-hmm. Aujourd'hui, on peut prendre des petits exemples comme le président africain, des présidents, voilà. Tout le monde peut aujourd'hui s'exprimer comme il en a envie, quoi. Donc, c'est ce qui fait la palme dans la tête de l'Africain. Quand un jeune Gabonais porte ta marque, qu'est-ce qu'il doit se dire? Il doit se dire qu'il est d'abord africain et il doit être fier d'être africain. Est-ce que toi, t'es fier d'être africain? Oh, très, très fier. Comment tu manifestes cette fierté au quotidien? On nous reproche d'être jamais à l'heure, on nous reproche d'être pas dynamique, on nous reproche de la jeunesse d'aujourd'hui de s'enfermer dans l'alcool, les drogues, le sexe. On développe pas, les autres ont des téléphones portables, ils créent des applications qui rapportent de l'argent. Nous, avec les téléphones portables, on fait des vidéos pornographiques, des trucs comme ça. Beaucoup de choses qu'on nous reproche, nous, les Africains. Comment à ce moment-ci, toi, tu es fier de venir me dire que tu es africain? Et comment tu manifestes cette fierté? Moi, je veux savoir quelle est ta technique. Déjà, j'ai une technique très particulière. Ça, là, ce n'est que la présentation, ce n'est que la présentation, sinon Palpite, c'est tout un concept. Voilà. Donc derrière, on fait des vestes en raffia, des chemises en raffia, en pierre de cori, on a des colliers complètement africanisés, donc à base de perles africaines, de perles de bois, de perles de bois, de padouk, un peu de tout ça. Et hormis ça, Palpite crée dans les trucs de mortier, des planches à, comment on appelle ça, à broyer, à écraser, voilà. Crée beaucoup de petits designs comme ça là. Donc on a même essayé de rentrer encore un peu plus, faire des sous-vêtements assez africains, des trucs. Genre quand tu les habilles, là, voilà, c'est complètement. Elle a le string panthère. Tu te retrouves, ouais. Ouais. Du coup, tu n'as jamais vu. Un string forestier. Ouais. Du coup, tu n'as jamais vu et tu as envie de voir encore plus. Voilà. T'as déjà vu quelqu'un string en raffia, après ça détendu. Ouais, ouais. Voilà, c'est. Et ça coûte combien tes t-shirts? Les t-shirts vont à 10 000. D'accord. 10 000 Pourquoi c'est aussi cher? Quelle est la qualité est bonne? Voilà, la qualité. C'est pas du tissu qui irrite la peau.
Hein? La qualité est bonne, c'est pas du tissu qui irrite la peau. Non, c'est du bon tissu, c'est tranquille, c'est tendance. Tu fais quel style des filles? Tu fais des t-shirts pour des filles ou bien les t-shirts pour des hommes? En fait, c'est une marque de vêtements. Ça, c'est un t-shirt femme, ça. Ça, c'est un t-shirt femme, un style, leur style en ce moment qui est un peu à la mode auquel l'épaule. L'épaule sort. L'épaule sort. Genre pour valoriser la corpulence. Voilà, ça attrape un peu. Ah, d'accord. Voilà, c'est un peu. Donc, on essaye de suivre un peu aussi la tendance. C'est par cette tendance qu'on ramène ces personnes-là à pouvoir se cultiver sur notre textile. D'accord. Et voilà. Tu vends tes t-shirts dans des points de vente ou tu vends ça aussi sur des plateformes numériques? Oui, on avait j'avais un box en bolo. Là où ils ont cassé. Voilà, là ils ont cassé. Ça m'a complètement mis aussi un petit frein quelque part. Et après, je me suis maintenant à rapprocher de certains revendeurs, tels qu'à lui à Génération 21, à Bobby Shopping en face de l'église de Roi Maj d'Akébé. D'accord. Voilà, à l'aéroport même. Voilà, c'est quelle matière que tu mets en haut là? On appelle ça du flex. Ouais, et ça dure, ça dure combien de temps? Ça, c'est le t-shirt qui meurt, mais la matière elle reste là. D'accord. Voilà. Et maintenant, on peut mettre ça dans la machine à laver. Oui. Ça ne ressort pas craquelé et tout ça. C'est là où je voulais en venir. Il y a différentes sortes de flex. Il y a le flex qu'on repasse pas. Oui. Il y a le flex qu'on lave pas à la main. Et il y a le flex que il faut juste quand même pas au soleil. D'accord. Voilà. Donc et ça c'est quel flex? Ça là c'est le flex qu'il faut. Ça c'est un flex VIP. Donc ça ne se lave qu'en machine et voilà, ça peut. On repasse, oui. Ça je peux passer le fer y dessus. Il y a pas de souci. Tu peux pas autant de fois que tu voudras. Tu voudras passer ton. Je la touche un peu. Le fer chaud. Oui. Mon frère. Oui. Ah, c'est l'omelette direct. C'est le flex. Oui, ça va passer. Ça va passer. Oui, ça passe très bien. Ah, maintenant, il y a un genre de flex qui passe pas. Ouais. Au fer, quand tu passes ton fer, ça colle sur. Voilà. Tu as pensé à vendre ta marque à l'international? Oui, déjà, étant donné que moi-même, je vais faire une tournée, et que là, je suis d'abord en train d'implanter vraiment, parce que toutes ces années-là, c'était juste encore pour présenter la chose. Ouais. Et maintenant, pour mieux lancer maintenant les concepts et des trucs, je préférerais faire maintenant une tournée, déjà qu'on en a fini avec la tournée provinciale ici à l'intérieur. Là, il faut un peu essayer d'étendre la chose pour un peu. Ouais. Voilà. Et ici à Libreville, ça se vend plutôt bien. Tu arrives à t'en sortir? Oui. J'ai déjà fait. Je veux parler de mes premières sorties de Port-Gentil, Françaisville. Je suis quitté ici. Bon, une blague comme ça, là. À l'époque, j'étais avec un élément que je vais taire peut-être le nom. Oh, moi, je vais à Port-Gentil demain. Je dis, ah bon, tu vas pas, bon, on va aller se balader. Ouais, mais à quoi? Bon, je vais emmener juste un trolley. Donc, j'ai emmené un trolley de peut-être 100 t-shirts, mais je suis revenu avec un bon million dans la poche. Waouh! Boum, ça m'a. Là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas et pourquoi encore aller chercher partout en même temps? Tu as différents styles de motifs ou tous tes motifs sont brillants comme ça? Non, j'ai différents styles de motifs. Ouais. Il y a du bleu, du blanc, un peu de toutes les couleurs. Mm-hmm. Et là, même ça, j'ai tagué ça rapidement aujourd'hui, tout à l'heure, là, rapidement comme ça. Donc, il y en a différents styles. Tu travailles avec d'autres jeunes Gabonais ou tu travailles tout seul? Je travaille tout seul. Donc tu ne veux pas créer de l'emploi? Non, c'est pas ça. Moi je c'est pas ça en fait. Tu es un entrepreneur à part. Non, c'est pas ça. C'est juste que aujourd'hui nos frangins ne considèrent pas ce que les autres font. Ouais. Ils vont se dire bon c'est une blague, ça va jamais aller loin. Ici c'est complètement. Ouais. Il faudrait que mort des trucs comme ça. Il va être là avec toi pour un temps, un jour, deux jours, trois jours. Après il commence à faire son chichi, son bébé. Demain il vient pas. Après c'est boum, une fois il est parti et c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. C'est une routine quoi. Une routine et puis voilà. Comme par exemple. Là, j'ai ouvert un petit truc de déballage parce que je touche un peu tout. J'ai ouvert un petit truc de déballage donc que j'appelle les petits frangins venir un peu taffer. Mais aujourd'hui, il est là, demain, il n'est pas là. Aujourd'hui, il est là, demain, il n'est pas là. Et puis après, ça fait bien, chier. Quoi. Et puis voilà. Ouais. Quoi. Comment on fait pour te contacter? C'est quoi le numéro de téléphone? 07 12 93 41. Est-ce qu'on peut regarder sur Facebook, trouver tes articles et puis les acheter sur ta page? Oui. Ça palpite. Palpite, hein? Oui, deux fois collé. Palpite, deux fois collé. Oui, ok. Oui.
Berline, merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être il y a d'autres informations que tu veux ajouter. Juste dire à la famille gabonaise de pas se laisser. Le Gabon, on a tout. On a tout pour monter, on a tout pour se créer, on a tout pour vraiment avoir sa place parmi les étoiles. Merci. Voilà. Merci. C'était Lynn Mabinga. Mbadinga qui est avec nous sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haut de la capitale. Urban FM, 104.5, la station urbaine. My money, my body, vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Urbanfm.fm.